juste une petite dédicace pour Axel. Hey, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée, que votre famille va bien, que vous êtes en forme, je sais pas. En tout cas, pour moi, tout va au mieux. Voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui est tellement originale que j'ai mis 2 semaines à la faire. 2 semaines. Attention. Je vous annonce que cette vidéo est un roulement de tambour. Ah, c'est la chose la plus originale du monde. Non, mais réellement, en fait, j'avais envie de faire un ask. Parce que j'avais envie de faire un ask. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Alors, je vais prendre mon petit téléphone pour prendre des questions parce que les questions sont sur mon téléphone, tout simplement. Alors, je vous ai demandé sur Snapchat, Instagram et Twitter. J'ai pris environ 10 questions. Donc, je vous mets mes réseaux sociaux ici. Première question. Si tu voudrais un chat, tu le voudrais comment? J'en voudrais un blanc avec des yeux bleus magnifiques, avec le poil long. Il serait trop beau. Enfin, un angora avec les yeux bleus ou un siamois, tu vois. Ils sont magnifiques, les chats comme ça. Bref, merci de ta question. Deux, qu'est-ce que tu envisages pour ta chaîne et pour ton avenir? En fait, pour ma chaîne, j'envisage de continuer les vidéos jusqu'à que ça plaise à beaucoup de monde et que j'ai beaucoup de followers. Pas pour ça, mais aussi pour aimer quand j'ai le temps, enfin, faire ma passion de vidéo avec la danse et le chant et tout ça, bref, voilà. Et pour mon avenir, j'envisage d'aller dans une école de danse, après, où je sais pas, on sait pas si je vais aller à Paris ou pas, parce que c'est assez compliqué de trouver vers chez moi une école de danse spécialisée en breakdance. J'aimerais bien devenir danseuse professionnelle, danser avec des stars et tout ça, tout ça, tout ça, et tout ça. Dans quel pays tu rêverais d'aller? Je rêverais vraiment, je crois que vous le savez déjà en plus, aller en Amérique, enfin, c'est un continent. Mais aux États-Unis pour aller voir Los Angeles, New York, tout ça, mais surtout Los Angeles parce que Los Angeles c'est magnifique, c'est enfin je sais pas comment décrire ça, mais il y a rien de plus beau au monde. Quatrième question, tes favoris du moment. Donc j'ai demandé à la personne quel favori, si c'était favori maquillage, favori nana. Elle me fait tous les favoris que tu as. Donc ça va être compliqué parce que j'ai favori musique, favori maquillage, favori cheveux. On va commencer avec le favori maquillage. Et bien sûr j'ai aussi un démaquillant de chez Garnier qui est la solution biphase mystère. Je tiens à vous dire que je vous les montre pas parce que j'ai la flemme d'aller chercher en haut. Donc voilà. Et après pour tout ce qui est cheveux, livres, tout ça, enfin livres j'en lis pas. Donc je lis des chroniques sur mon téléphone, des fanfictions. Et pour la musique favorite du moment, je vous la mets directement. Voilà pour ma musique favorite des moments. Je pense que vous savez très bien que j'adore la musique, j'adore tout ça. Sixième question, vous allez dire que je vous énerve, mais c'est pas moi qui l'a posé, c'est ta musique du moment. Ma musique du moment, c'est pas comme ma musique favorite du moment. Donc je vais vous la mettre parce que c'est un délire que je me suis pris avec une pote. On n'arrête pas de danser avec, on n'arrête pas de se l'envoyer, un truc de fou. On arrive comme d'hab, et fatigué, lâche ta boule là, j'ai tout sauté en l'air. Mettre la casse, on arrive comme d'hab, et fatigué, lâche ta boule là, j'ai tout sauté en l'air. Mettre la casse. Voilà pour ma chanson du moment. Septième question, ton youtubeur ou ta youtubeuse préférée? Donc je pense que si vous regardez mes vidéos, vous devrez le savoir, mais mon youtubeur préféré, comme vous le savez, c'est Sullivan Gwed. Et ma youtubeuse préférée, c'est Gloria de la chaîne Mademoiselle Gloria. Huitième question, quelle est ta meilleure note à l'école? Ma meilleure note à l'école, c'était 20. Sauf que, tu vois, je suis trop forte à l'école, je suis la première de la classe. J'adore réviser, j'adore faire des exercices, j'adore tout ça. Je suis vraiment la best des best à l'école. Non, je déconne. Prenez ça au deuxième degré, ok? Neuvième question. Ton jeu préféré sur smartphone, donc téléphone ou ordinateur, donc sur le téléphone, ce serait le jeu à deux. Et pour les jeux sur ordinateur, mon jeu que j'ai téléchargé il y a pas longtemps, c'était Enigmatis 2. Donc c'est un jeu d'énigmes justement. Et quand vous l'avez sur téléphone ou quoi que ce soit, en fait ça s'arrête à un moment, vous savez, c'est comme une démo, ça s'arrête. Et vous faites mais putain mais je veux savoir la suite, mais putain mais comment je vais faire, mais... Et du coup vous êtes obligé de payer. Donc je l'ai installé sur mon ordinateur. Sinon je vais sur jeu.fr comme tout le monde quand on s'ennuie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux, je vous mets tout en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu en commentaire et tout ça, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner juste ici, à regarder ma dernière vidéo juste ici.
Et bah... Ah oui.